Aujourd'hui, dans SGH Belgique, les traqueurs de fantômes vous emmènent tout droit au château de Sombreffe. Un château magnifique, avec une histoire magnifique également. Un certain Delannoy se promènerait dans les deux tours. Toute femme qui oserait s'y aventurer pendant la nuit se ferait tripoter. Les traqueurs de fantômes sont allés pour vous mener l'enquête. Vous allez voir, nous sommes allés également avec l'équipe de RTL TVI voir ce lieu. D'étranges choses se sont produites. Alors, vous êtes prêts? On y va. Nous sommes ici au château de Sombreffe. Nous sommes venus faire une enquête ici parce que le châtelain nous a appelés. Il y aurait apparemment une légende qui circule sur un certain monsieur Delannoy qui toucherait les dames qui viennent dans les tours. Alors, qu'en penses-tu? Alors, aujourd'hui, SGH Belgique va mener avec vous l'enquête et on va démystifier si oui ou non il y a un fantôme dans les tours. Vous nous suivez? Alors, c'est parti, on y va. On y va. Voilà, on va installer l'électricité. Sans électricité, c'est embêtant. Donc, hop. La caméra. Merci. Super. C'est parti. Peux-tu vérifier la caméra 2, s'il te plaît? C'est bien la caméra numéro 4. Hein. Ok. Donc là, vous installez d'autres câbles, c'est ça? Là, en fait, le technicien nous demande de mettre la caméra de l'autre côté. Donc, je vais donner le toki. Ouais. Pour appuyer, c'est ici. D'accord. Donc, je vais te donner la caméra. Et alors, tu vas placer la caméra tout en demandant au technicien si c'est bien mis ou pas. Ah, ok, je comprends. D'accord. C'est un endroit stratégique, cette caméra, ou... Avant la cheminée. Ah oui, avant la cheminée. D'accord, ok, très bien. Je tente de faire le maximum. Hein. Est-ce que comme ça, ça te convient? Oui, Ah, et avec les lumières de la cave, évidemment, c'est un peu compliqué. Attends, on va...
Est-ce que comme ça, ça va? Avec plaisir, on va. Nous sommes venus ici pour rentrer en contact avec quelqu'un. Est-ce que monsieur Delannoy est là? N'ayez pas peur. Nous ne sommes pas là pour vous embêter, ni vous chasser. Est-ce que vous voulez parler? Un signe, un geste, un mot. Allez-y, n'hésitez pas. Je tiens dans la main un dictaphone qui vous permettra de laisser un message. N'ayez pas peur. Nous voulons juste essayer de comprendre et de savoir si ce lieu est encore habité. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Déplacer un objet ou entrer en contact physique avec moi, si tel est votre souhait, bien sûr. Est-ce qu'il y a un homme avec nous ici ce soir? Est-ce qu'il y a une femme, éventuellement? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Je me demandais si l'incendie avait fait des victimes ici. Est-ce qu'il y a des personnes bloquées ici? Nous sommes ici pour en savoir un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à laisser un message sur le dictaphone. Vous pouvez nous communiquer votre prénom. Mais j'ai mes jambes qui sont en coton. Je ne sais pas si c'est quelque chose ou si je suis fatiguée. Mais j'ai mes jambes en coton, réellement. Quel ressenti tu as eu? Mais pendant la séance de PVE, aucun, à vrai dire. Je ne sais pas si réellement il y avait quelqu'un. Mais juste à la fin, maintenant, là, à l'instant, je viens d'éteindre le dictaphone et j'ai comme une baisse d'énergie. Donc là, je sens vraiment mes jambes en coton, quoi. J'ai vraiment les jambes qui flageolent et oui, je me sens un peu vidée, en fait. Bon, donc tu pourrais dire que il a utilisé ton énergie. Peut-être, mais ça, on va le voir à l'analyse. J'espère qu'on va en tirer de bonnes choses, en tout cas. Dame, est-ce que tu pourrais essayer de bouger la caméra, voir si ce truc blanc reste sur la caméra, s'il te plaît? Ça ici? Donc ici, on va vérifier quelque chose qu'il y a sur l'écran. Ouais, un fer à cheval planté dans la poutre, tout simplement. À mon avis, c'est ça qui reflète dans la caméra infrarouge. Ok, merci. Nous on entend des bruits. Hein. Le vent il est solide ou alors c'est la pluie? Il pleut, non? Non, il pleut pas. Ah, ça faisait déjà ça comme ça tantôt quand j'étais tout seul avec Steph. Il pleut pas. Ah! Enfin. Moi je dis c'est bon. On doit fermer la porte. Vous savez allumer au-dessus parce que moi avec ma lampe bleue. On devrait fermer la porte. Pour le coup. C'est à quelqu'un ainsi qu'il se manifeste.
Quel est votre nom ? Depuis combien de temps vous êtes ici ? Vous devez savoir qu'on ne veut pas de mal. On veut juste communiquer avec vous. On vous ordonne de communiquer avec nous. N'ayez pas peur. Faites un bruit. Un simple bruit pour montrer votre présence. J'ai super froid. Ça va? Nickel. Ça va. Nickel. On va monter un petit peu le thermostat, ça devrait aller. Fermer la porte pour le courant d'air. Voilà, on installe une caméra ici. Ouais. Une autre. Donc le top, d'après le technicien, il faudrait la mettre de ce côté-là. Ouais. Pour comme ça. Alors on la placerait. Bah écoute, on va la placer comme ça. On va demander à Pierre après si c'est bon. Hein. Ok. Pierre, tu sais vérifier la caméra 3, s'il te plaît. J'ai pas de réception. Ah, aucune. Non, non, c'est vraiment très mauvais. Des parasites ? Des parasites ou bien rien du tout ? Elles sont une portée de combien ces caméras ? 300 mètres. 300 mètres ? Ouais. C'est pas normal ça. C'est un rouge, hein, de toute façon. Allez, pas près d'une fenêtre, s'il te plaît. Ok. Pardon. Éventuellement, si vous êtes peut-être la prochaine fois. Sinon, je reste ici toute la nuit, hein, là-dedans. Ah oui ? Tout seul ? Oui. Et là, ça donne quoi ? Et là ? Ça va pas aller, ça. On va peut-être aller voir parce qu'il y a quelqu'un qui nous amène une autre cam. Donc ici, on nous ramène une seconde caméra, donc c'est la caméra numéro 1. Oh ! Oui ? Ouais ! Eh bien, c'est pas ça, là ! On arrive ! Super ! Merci. Voilà, parce que j'ai mon... Oui, bah ton aise, voilà. Voilà, merci. Donc ici, on va essayer de mettre la caméra numéro 1. Parce que l'autre caméra, apparemment, on aurait des parasites. Donc ça, c'est la vie. Voilà, on a installé la caméra 1. Qu'est-ce que ça donne maintenant ? Approche le récepteur de la fenêtre, éventuellement, tu as déjà essayé ça ? Écoute, non, mais ça va être compliqué avec la table et tout. Ouais, ok. Parce que Pierre dit que, effectivement, les batteries de GSM se déchargent avec un grand V. Nous allons retourner voir les collègues. Il paraîtrait que les batteries se vident. Vous savez très bien, pourquoi les batteries se vident, c'est que les entités utilisent l'énergie des batteries. En arrivant, je suis à 89% en guillemets. C'est toujours sympa quoi. Ouais, donc, c'était les quoi ? Pipi pipi. Ah, du poussière. Ouais, du poussière un truc. Attends. Là, je passe pas souvent.
Attends, ici, regarde, je passe à 19 degrés. Pas le chargeur, avec. Le chargeur, avec. Chargeur. C'est de ça. Caméra. Non, elle est vide. Arrête. Un quart. Oh non. Et les GSM se sont vidés ? Le GSM de... Je ne sais plus comment... Nadou. Oui, est mort. Et celui-là de... Laurent est mort. Voilà, donc on a essayé de voir avec ce monsieur Delannoy. On verra bien aux analyses si il y a quelque chose de concluant ou pas. Mais d'ici là, on vous dit à très bientôt et merci de suivre SJH Belgique. Les filles, je crois qu'on a trouvé un PVE. Voilà. Alors, nous allons écouter ça. Qu'il y a quelque chose de fort. Ah ouais. Vous entendez ? Ouais, tout à fait. On dirait connard. On dirait que c'est une insulte, en fait. C'est une insulte, hein. Et c'était à quel moment, ça ? C'était au moment où tu étais tout en haut, je crois. Ah oui, donc c'était oui, d'accord. Au dernier étage. Au dernier étage, tu vois. Ah ouais. Et là, tu demandais et on a... J'ai entendu ça, quoi. Donc c'est vraiment une voix vraiment... Ouais. On va dire ça... Ouais, on va mettre ça en suspens et voilà. On va écouter le reste. Ouais. Oui, mais on va noter et on fait comme ça. Ok, merci. Merci. Voilà. Ici, j'ai plusieurs photos qui posent un petit peu problème. Donc, il y a la 30 ici, où on voit clairement qu'il y a quelque chose, tu vois. Les trois petites boules. Mais bon, disons qu'il faudra prendre en compte, évidemment, voir si c'est pas le spot qui reflète, quoi. Il faudrait vraiment l'analyser avec un des bons logiciels que tu as. Mais tu vois, encore une fois... Dès qu'on augmente. Donc ici, on voit clairement que c'est, à mon avis, de la poussière, puisqu'il y avait pas mal de poussière. Bah, tu vois, encore ici, il y a quand même quelque chose qui... On dirait que l'on a un déplacement. Qui est quand même fort brillant, oui, et on voit clairement que ça va... Oui, pour moi, ça part vers la gauche. C'est assez... C'est presque ovale, donc c'est pas un rond très net, comme ça pourrait être, par exemple, lors d'un reflet. Ici, avec le spot, il faudrait vraiment vérifier si... Ce ne sont pas des reflets, quoi. Mais sinon, à part celle-là, il n'y a rien d'autre. Pour moi, il n'y a rien d'autre. Donc ici, nous allons continuer les analyses. Peut-être qu'il y a d'autres PVE qui sont peut-être susceptibles d'être découverts. Après 2 heures d'analyse, l'équipe SJH ont découvert quelque chose. Je pense que j'ai trouvé un deuxième PVE, les amis. Vous voulez écouter ? Ah, ouais. Vous allez me dire ce que vous entendez, quoi. Ok. Vous entendez ?
Ouais, on entend quelque chose là. Juste là. Ouais, ouais. Faudrait peut-être essayer. Je vais me permettre de prendre mon casque pour entendre encore mieux. Ouais. C'est pas beaucoup. Je peux pas faire en plus, quoi. C'est bon? Oui. Vas-y. On dirait une plainte. Oui. Ouais, ok. Ouais. Refais. Ah ouais, on dirait vraiment que ça fait... Quelque chose, une plainte. Ouais, c'est vrai. Voilà, vous venez de voir l'épisode de SGH Belgique. Comme vous avez pu le voir, nous avons été visiter le château de Sombref, un château qui apparemment y aurait un fantôme qui se promènerait dans les deux tours. Nous sommes donc allés avec pas mal de matériel visiter cela et voir si vraiment il y avait un fantôme ou pas dans ces tours. Vous verrez sur ces images quelques photos de BBE, mais on en discutera à ce moment-là. Retrouvez ici donc les enquêteurs de SGH Belgique. On commence par Pierre, Stéphanie et Laurent le Sceptique. Ici vous voyez un orbe, une sphère énergétique sur la photo. Malheureusement, c'est trop mince pour en juger que ce soit vraiment paranormal. Dams. Ici vous voyez les tours, du moins l'armature du toit d'une des tours. Très bien conservée jusqu'à l'heure. Christophe, le caméraman RTL TVI. Eric, caméraman SGH Belgique. Ici aussi, vous voyez une sphère à gauche, mais trop mince pour en juger que ce soit paranormal. C'est probablement une poussière. Maintenant, écoutez les PVE, les phénomènes de voix électronique. On dirait connard. Voilà, vous avez entendu un des PVE. Maintenant, écoutez le suivant. Il y a une réponse qui est donnée. Et voilà, donc vous avez vu les photos qui sont trop minces pour dire que ce soit vraiment paranormal. Vous avez ensuite les PVE, les enregistrements audio. Ceci, ben, c'est tout simplement une respiration, du moins pour le premier. Le suivant, on ne sait pas. Donc c'est peut-être bien le fantôme en question qui a répondu. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. On en fera d'autres. Et soyez bien fidèles à SGH Belgique. N'hésitez pas à visiter notre site internet. Merci et à très bientôt. Au revoir.